Et bah salut tout le monde, c'est Toxic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur American Truck Simulator. Donc super accent au passage. Donc voilà, un petit gameplay sympa. Donc j'ai envie vraiment de changer un peu et de vous faire découvrir autre chose. C'est vrai que les jeux de simulation sont généralement très mal perçus. Il y en a plein qui disent bon, je vois pas l'intérêt de faire comme dans la vraie vie. Mais moi je trouve ça sympa parce que à côté de ça, il y a tout un côté gestion, donc la gestion de votre entreprise et tout ça. Et honnêtement, c'est vraiment stylé et vraiment sympa. Donc là, on va livrer tout simplement du gasoil. Donc on est parti de la ville un peu au-dessus, je sais plus le nom, de Oxnard. Là, on est exactement à Santa Cruz, donc on est voilà, on est encore loin de la destination. D'ailleurs, je vais faire voir le camion. Voilà, plutôt sympa, ils viennent de l'ajouter, ils montent du contenu régulièrement, donc ça c'est sympa hein, pour un jeu à 12 balles qui nous montre du contenu assez souvent, c'est sympa. Donc je roule en vitesse manuelle bien sûr. Le petit défaut avec ce nouveau camion, c'est tout simplement que je sais jamais à quelle vitesse je suis. Donc ouais, c'est un petit peu embêtant, mais on va dire qu'on s'habitue. Donc c'est vraiment les jeux de simulation, c'était une des mes premières inspirations pour faire des vidéos YouTube. Même si je sais pas vraiment comment je faisais, parce que bon, à part rouler, on n'a pas vraiment grand chose à raconter. Mais en tout cas, voilà quoi, je m'y plais beaucoup sur ce genre de jeu, ça détend. Ouais, ils vont dire ça détend, mais c'est vrai qu'il faut quand même pas mal se concentrer si on veut éviter de se prendre des amendes. Parce que bon, les flics américains déconnent pas par rapport à Euro Truck 1 et Euro Truck 2, donc c'est pas du tout le même barème d'amende. Mais c'est vraiment pour avoir vos impressions dans les commentaires et bon, sur la chaîne en général. Hein, si de temps en temps vous pouvez faire un petit convoi, voilà, hein, que ce soit en vidéo ou solo, j'y joue beaucoup. J'ai déjà plus de 100 heures de jeu, je pense, je vais pas dire de conneries, je crois que je vais avoir 100 heures de jeu. Bon, d'habitude, je joue en multijoueur hein, parce que c'est beaucoup plus agréable, même si. Il y a beaucoup de connards, mais ça c'est quand même un peu comme dans tous les multis, hein, des mecs qui vous rentrent dedans ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que le multijoueur est intéressant, on peut faire des convois avec les amis. Moi je joue avec Yoda, un mec de la team, honnêtement on se promène, donc c'est assez sympathique. Ça change, hein, c'est un autre gameplay. Donc là, je sais pas si vous voulez dire, mais on va livrer du gasoil. Putain, lui il m'avait collé ce salopard. Honnêtement, pour l'instant dans le jeu, il n'y a pas vraiment Macho en camion, il y a tout simplement deux marques, donc Peterbilt et... cette marque-là que j'ai oublié le nom d'ailleurs, excusez-moi. Et voilà, par contre ce qui est sympa c'est que depuis le jeu est sorti, ils ont déjà sorti, bah ils ont sorti le jeu avec la partie directement, comment ça s'appelle, la partie Californie. Et après ils nous ont débloqué le Nevada une semaine après. Et là bientôt l'Arizona arrive, donc c'est vraiment sympa. Putain, c'est à 30 ici, faut pas que je fais le kéké, je vais mettre mon régulateur, voilà, dès que je suis à 30. Voilà, le régulateur. Ah, c'est 55 maintenant. Putain, ces vitesses changent tout le temps. Donc vraiment, faut vraiment rester concentré dans tous les domaines. Livrer les cargaisons si on veut gagner de l'argent. Donc moi, j'ai déjà un autre camion en stock qui est quand même pas mal évolué parce que je suis niveau 19, je crois. Donc vous avez des pièces moteurs qui se déverrouillent au fur et à mesure. Donc honnêtement, c'est voilà, il y a tout un système de. C'est pas que de la simulation. On a plein qui se résument à dire. Voilà, on s'arrête à un feu rouge, je vois pas l'intérêt. Voilà quoi. Après, t'as envie de faire le kéké, tu joues à GTA, y a pas de souci, c'est normal. C'est un jeu qui est dans le thème, on va dire. Mais là, c'est vraiment faire de la simu. Donc, quand vous êtes en gang, enfin en groupe en tout cas, c'est sympa et c'est plutôt très 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 agréable. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. J'hésiterai pas à vous faire d'autres missions, d'autres gameplays. Bon, mais sur celle-là, je vais la finir parce que moi, dès que je suis parti dans ce jeu, j'arrive trop vite, putain. Voilà, j'ai dû vraiment freiner beaucoup. Donc moi dès que je suis lancé dans ce jeu, je m'arrête plus. J'adore ce jeu, donc voilà, je prends vraiment beaucoup, mais beaucoup de plaisir. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout, ce qui est plus important, c'est de marquer vos impressions dans les commentaires. Donc voilà, je tiens à être clair tout de suite. Je joue à la manette, vitesse manuelle. Comme ça évite les questions un peu du style qui reviennent beaucoup, quoi. Voilà. De toute façon, de temps en temps, vous pouvez sûrement attendre quand je passe les vitesses parce que ça fait assez de bruit les gâchettes du dessus. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau convoi. Si jamais ça atteint les. On va pas être gourmand, on va dire 20 likes. Si la vidéo atteint 20 likes, on va directement bon, faire d'autres convois de temps en temps. Enfin, je vais pas jouer non plus tout le temps parce que c'est pas un jeu sur lequel on va se taper des discussions de foil pendant je sais pas combien de temps. Mais voilà, c'est un jeu super agréable. Regardez, super beau, super joli. Station essence, tout ce qu'il faut. Le lever du soleil là-bas au bout, c'est vraiment sympa, c'est vraiment beau. Donc là on va s'intégrer, on va essayer, ah non c'est même pas l'autoroute, j'allais tourner sur l'autoroute. Eh hey, oh, dis donc là. Donc quant à nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.